Salut tout le monde! Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Le volume des importations en 2023 connaît une nette augmentation dans le commerce extérieur. Sujet numéro 2. Coopération algéro-sud-coréenne dans le domaine de la pêche. Sujet numéro 3. Qui veut impliquer l'armée algérienne dans la guerre civile au Soudan? Sujet numéro 4. Tebboune donne son aval pour la révision des pensions de retraite. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton J'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Dans l'intérêt d'accompagner la relance de l'économie et d'assurer la disponibilité des produits et matières premières sur le marché national, les importations de marchandises de l'Algérie ont connu une importante hausse en volume pour l'année 2023. Dans un rapport publié par l'Office National des Statistiques ONS, il est indiqué que l'année 2023 a enregistré une augmentation des importations globales de marchandises en volume de 21,9% par rapport à l'année 2022, ce qui représente une augmentation conséquente par rapport aux autres années, au cours desquelles ces volumes d'importations enregistraient chaque année une baisse. En comparant les volumes des importations de l'année 2022 à ceux de 2021, à titre d'exemple, on remarque une baisse de 5,4% qui avait suivi une précédente baisse de 4,7% en 2021, par rapport à 2020. Cette forte hausse des volumes d'importation de l'année dernière est tirée, selon les statistiques de l'ONS, par la hausse du volume de toutes les catégories de produits, avec une tendance plus volumineuse pour les importations des machines et matériels de transport, avec un taux de 60,3%. Cet important volume pour cette catégorie est expliqué par le lancement de certaines industries ainsi que le retour des importations des véhicules en 2023. Dans la deuxième position des catégories qui ont enregistré une hausse de volume, on retrouve les articles manufacturés divers, avec une hausse de 31,5%, suivis des combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes, avec un volume en hausse de 16,3%. Quant aux huiles, graisses et cire d'origine animale ou végétale, elles ont enregistré une augmentation en volume d'importation de 14,4%, suivis par les produits alimentaires et animaux vivants, avec 13,8% de volume en plus pour 2023. D'autres produits ont également connu une hausse du volume des importations, notamment les produits chimiques et produits connexes, les articles manufacturés et les matières brutes non comestibles, sauf carburant, affichant des augmentations respectives de leur volume de 10,3%, 6,8% et 1,9%, à l'exception de la catégorie des boissons et tabac, qui enregistre une légère baisse de 0,2%. Une hausse des importations en valeur de plus de 4%. Cette hausse des importations en volume pour l'année dernière a été accompagnée par une légère augmentation en valeur par rapport à l'année 2022, due essentiellement à l'importante évolution des chiffres des importations, mais aussi à une baisse des prix de certaines marchandises sur les marchés internationaux. Ainsi, l'ONS a indiqué dans son dernier rapport que les importations de marchandises se sont élevées en 2023 à 5 794 milliards de DA, contre 5 539,7 milliards de DA au cours de l'année précédente, soit une hausse en valeur courante de 4,6 cette hausse des valeurs est tirée principalement par une importante augmentation des importations des machines et matériels de transport à hauteur de 42,9% au cours de l'année 2023. En 2022, les valeurs des importations avaient enregistré une hausse de 8,6% par rapport à 2021, alors que par rapport à 2020, les valeurs des importations avaient dépassé 16%. Par ailleurs, l'Office national des statistiques a noté dans son rapport que les prix à l'importation de marchandises ont enregistré une baisse de 14,2% en 2023 par rapport à l'année 2022, ce qui a contribué à alléger la facture d'importation de l'Algérie malgré la hausse du volume des produits importés. Ainsi, d'importantes baisses des prix ont été constatées sur certaines marchandises durant l'année écoulée, en comparant à l'année d'avant, ce qui est le cas des huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale qui ont connu une baisse conséquente de 28,9% des prix à l'importation. Il est remarqué que presque toutes les catégories de produits ont enregistré des diminutions des prix à l'importation de marchandises durant l'année 2023 par rapport à l'année 2022, à savoir les produits alimentaires et animaux vivants, avec une baisse de 20,1%, les combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes, qui ont connu également une baisse des prix de 13,8%, ainsi que les articles manufacturés divers qui ont baissé de 12,3%. Pour les machines et matériels de transport, les prix à l'importation ont connu une baisse de 10,7%, ce qui est également le cas pour les produits chimiques et produits connexes, avec 9,6% de baisse, les articles manufacturés de 9,0%, les matières brutes non comestibles, sauf carburant, à 6,7%, et enfin les boissons et tabac de 0,5% de baisse. Sujet numéro 2. Les opportunités de coopération entre l'Algérie et la Corée du Sud dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture ont été au cœur d'un forum organisé à Alger. Cette dixième édition du Forum Corée-Afrique sur la pêche, CORAF 2024, a été organisée par l'Institut maritime coréen, KMI, et le ministère de la pêche et des produits halieutiques, en coordination avec l'ambassade de la Corée du Sud en Algérie et l'Agence coréenne pour la coopération internationale, COACA, sous le thème Passé, réalité et perspective de la coopération entre l'Algérie et la Corée dans le domaine de la pêche. L'ouverture du forum s'est déroulée sous la supervision de l'inspecteur général auprès du ministère, Farid Arouadi, en tant que représentant du ministre du secteur, Ahmed Badani, avec le vice-président du KMI, Cho jung en présence de cadres de plusieurs départements ministériels, de chercheurs, de différentes instances et entreprises coréennes et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Sujet numéro 3. Une information farfelue a été relayée par des médias arabes, lesquels ont fait écho à un site spécialisé, bulgare selon lequel l'Algérie s'apprêterait à céder des avions de chasse de type MiG-29 à l'armée soudanaise. Cette information, toute extravagante qu'elle soit, est gravissime cache assurément des dessins malveillants. Elle fait suite à la visite du président soudanais à Alger, en janvier dernier. Abdel Fattah al Abderrahman avait affirmé que son pays était favorable à la présence de l'Algérie à toute table de dialogue ou débat visant à trouver une solution pacifique à la crise que traverse le Soudan. Mais les efforts déployés par l'Algérie pour aboutir à une solution politique dans ce pays africain déchiré par un conflit armé interne alimenté de l'extérieur ne sont pas du goût des Émirats arabes unis qui financent et arment le chef des milices des forces de soutien rapide, FSR, de Mohamed Golo, homme lige de Mohamed Ben Zayed. En assurant son hôte soudanais du soutien actif de l'Algérie contre les « forces du mal », le président Tebboune pointait clairement un doigt accusateur en direction d'Abu Dhabi qui multiplie les actes inamicaux à l'égard de notre pays. Des actes dénoncés en leur temps par le Haut Conseil de sécurité, HCS, dans un communiqué officiel, ce qui signifiait que les hostilités entre Alger et Abu Dhabi étaient ouvertement déclarées. Selon des sources soudanaises, la visite du président du Conseil de souveraineté transitoire en Algérie avait un lien direct avec un événement qui se préparait au Soudan et qui vise à mettre fin à la guerre civile qui oppose les troupes d'Alburan aux milices de Hemeti. En effet, les deux belligérants s'apprêtaient à s'asseoir à la table des négociations dans le cadre d'une conférence intersoudanaise pour la réconciliation nationale, mais celle-ci a été sabordée par les Émirats. Les Soudanais s'étaient tournés vers l'Algérie qu'ils considèrent comme un poids lourd du continent africain et qui porte la voix de l'Afrique actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU, en tant que membre non permanent, pour jouer un rôle prépondérant dans la recherche d'une solution politique au conflit armé au Soudan. Les Émirats arabes unis alimentent la guerre civile dans ce pays, le plus grand d'Afrique avant son morcellement, en finançant et armant les groupes paramilitaires de l'ancien chef des Janjaweed. Les FSR se sont emparés de l'ouest du Soudan et d'une partie de Khartoum. Elles se dirigent à l'est et pourraient, selon des sources médiatiques, avoir accès à la mer Rouge et investir Port Soudan. Ce qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie constante de Mohamed Ben Zayed de contrôler les ports africains et arabes, explique des sources proches du dossier. Le rôle néfaste des Émirats arabes unis ne se limite pas qu'à l'attisement du brasier soudanais. Il s'étend désormais à la dangereuse manipulation médiatique, en cherchant à montrer l'Algérie comme un pays belliciste qui arme une des parties au conflit. La manœuvre a clairement pour objectif de torpiller les actions de l'Algérie visant à parvenir à un accord de paix dans ce pays convoité et dont l'approche algérienne pacifiste dérange des puissances étrangères qu'oppose un conflit d'intérêts par procuration. Sujet numéro 4. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune a donné son aval, dimanche lors du Conseil des ministres qu'il a présidé, pour la révision des pensions de retraite, toutes catégories confondues. Cette révision se veut une reconnaissance à l'apport de cette frange au service du pays et tend à en préserver la protection sociale. Le président Tebboune ordonne un examen approfondi des statuts des corps médicaux et paramédical. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a enjoint au gouvernement, dimanche lors du Conseil des ministres qu'il a présidé, de procéder à un examen approfondi des statuts des corps médicaux et paramédicaux. Il a, également, souligné l'impératif de valoriser la place de cette catégorie, de par son rôle dans la préservation de la sécurité sanitaire nationale. Le chef de l'État ordonne un nouvel examen du projet de loi relatif à l'état civil. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a ordonné, dimanche lors du Conseil des ministres qu'il a présidé, un nouvel examen du projet de loi relatif à l'état civil en y associant les magistrats et les walis. Par ailleurs, le président de la République s'est félicité du progrès enregistré dans le cadre du processus de numérisation des départements ministériels.